Rectificatif sur la vidéo précédente. On est bien sûr un réveil parlant à gros caractères cristaux liquides, vocal avec son panneau de contrôle, le bouton marche arrêt de la synthèse vocale, le panneau de contrôle avec 4 boutons. C'est parti pour la démo et son écran bleuté. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère donc que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit réveil bien sympathique et bien sûr vocal. Ce petit réveil possède 4 alarmes de 2 réglages de volume. Il possède aussi donc un chronomètre. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. L'avantage de ce réveil, c'est qu'il est vocalisé. Je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez entendre la qualité de la synthèse vocale. Ce petit réveil peut convenir très bien aux seniors, par exemple, qui ont des difficultés à voir sur une horloge classique, aux personnes déficientes visuelles, et aussi, tout à fait, ça pourrait aller comme dans un atelier ou dans une maison, puisque là aussi, vous allez pouvoir entendre toutes les heures si vous le réglez. Le but de cette vidéo est de vous montrer la luminosité, la qualité des cristaux liquides, puisque c'est un réveil à cristaux liquides, la qualité du son. On va le déballer ensemble, comme d'habitude, la boîte. On a donc le réveil en gros sur la façade. J'essaierai de vous faire des gros plans pour que vous puissiez tout voir. Une boîte classique, on va tout de suite l'ouvrir. Donc lorsqu'on sort l'appareil, il est tout de suite mis avec 2 cartons de chaque côté et dans un plastique. Voilà, ici on l'ouvre directement. Et voilà donc nos réveils. Donc il a un grand écran carré. De chaque côté on a bien 2 bandes grises. Sur le dessus, on va avoir un bouton poussoir qui va nous indiquer, qui va nous dire l'heure lorsqu'on appuiera dessus. On a en partant de la gauche un petit bouton poussoir qui allume ou pas l'éclairage bleuté, le fond bleuté de notre réveil. Et ensuite, 3 autres boutons qui vont permettre le réglage ou le lancement du chronomètre. Derrière l'appareil, côté gauche, on va voir l'haut-parleur un peu en contrebas, d'accord? Et on va voir un petit bouton, là aussi, petit bouton poussoir, qui va permettre d'activer ou désactiver le son. Le réveil, lui, couleur alu, un peu. Particularité, c'est que l'alimentation se fait par 2 piles LR03 qui ne sont pas livrées. On va tout de suite, nous, mettre les piles et voir le réglage de ce réveil. Voilà, donc comme je vous disais, une fois les piles insérées, on aura la possibilité de se faire dicter toutes les heures. On aura une possibilité d'avoir la date, de positionner 4 alarmes, et tout ceci se fait sur le dessus de l'appareil. On a donc 3 boutons plus un bouton poussoir. Le bouton poussoir, commençant complètement en haut à gauche, donne une lumière bleutée à l'appareil. Il est minuit 2. Il est minuit 2. Je vous l'ai mis donc en gros sur l'écran. Pour entendre le jour et la date. Le deuxième, on va avoir pour que le réveil nous dicte toutes les heures vocalement. Et le dernier bouton, alarme 1, alarme 2, alarme 3, alarme 4, il est minuit 4, chronomètre. Et le chronomètre. Si on veut lancer le chronomètre, on part sur le bouton à gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21 secondes. Et le premier bouton, on annulera le chronomètre en cours. Comme vous entendez, la synthèse est assez jolie pour régler notre réveil. On va faire un appui long sur le deuxième bouton en partant de la gauche. Réglage heure. Alors nous sommes midi 51.
Midi 51, donc. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h du matin. Midi, signal, minute. On réappuie sur le deuxième bouton et on va régler les minutes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 11. On a donc terminé notre réglage. Maintenant, juste sur le bord, la tranche en haut du réveil, il est midi 54. On a un bouton assez large et assez long, on le sent très bien. Je vous le mets en très gros, ici. Et ce bouton, lorsqu'on appuie dessus, il est midi 54. Instantanément, le réveil nous annonce l'heure. Voilà donc pour ce petit réveil. Donc, comme je vous disais, un petit réveil qui peut être très sympa à offrir à un de ses grands-parents, à une personne que l'on connaît qui a des problèmes visuels, à mettre dans sa maison éventuellement pour avoir une heure vocale. Je vous mets donc le lien de la page de ce réveil. Voilà, ici vous le voyez en très gros sur l'écran. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remontre un petit peu comment est fait ce réveil avec ses différents boutons. Il est 1h35 de l'après-midi. Son éclairage ici que je vous mets en très gros bleuté. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces aventures vocales. À très bientôt pour la prochaine. Salut !